2022 placé sous le signe de l'espoir par le nouvel entraîneur des Léopards. Il a promis au ministre des Sports qu'il avait rencontré ce mercredi d'apporter la qualification de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. Plus question de perdre le temps, les choses sérieuses commencent pour les Léopards Football Messieurs de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais est prêt à vous accompagner, en commençant par le président de la République, le premier ministre et tout le peuple congolais sera là pour vous. Donc pour ce qui concerne l'État congolais, je tiens à vous rassurer que tout ce que vous avez pris comme engagement avec la fédération, sera respecté. Ce que nous attendrons de vous, c'est nous donner des bons résultats. Et vous aurez un résultat. Nous avons passé de très bons moments dans notre pays, la République démocratique. Hector Cooper, prochain sélectionneur des Léopards, est reçu par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Koundé, ce mercredi dans son cabinet de travail. L'Argentin, accompagné des membres du bureau de la Fédération Congolaise de Football Association, avec à la tête Constant Omari Selemani, a reçu les garanties d'un accompagnement sans faille du gouvernement de la RDC, assorti des exigences très claires. Nous venons d'être reçus par M. le ministre des Sports, avec le nouvel entraîneur de notre équipe nationale, M. Cooper, accompagné de ceux qui ont travaillé dans la commission avec la direction technique nationale pour arriver à ce choix, après avoir terminé la réunion purement technique au sein de la fédération, il était tout à fait normal qu'il vienne présenter des civilités au ministre et qu'à travers cette séance de travail, le ministre puisse lui faire part des préoccupations et des attentes du gouvernement en ce qui concerne la gestion de notre équipe nationale. La RDC, qui revoit ses ambitions à la hausse, pense déjà à la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, un rêve qui dure depuis 47 longues années, aujourd'hui devenu l'objectif de tout un peuple. Il nous fallait quelqu'un de grand gabarit pour pouvoir nous traîner vers le haut. Si vous avez observé, on a évolué, mais on a donné l'impression de stagner. Il fallait maintenant un électrochoc pour pouvoir amener, tirer l'équipe vers le haut et, bien sûr, satisfaire à nos objectifs. Le premier objectif, c'est la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Hector Cooper aura à sa disposition un staff technique bien étoffé et bien compartimenté.